Bonjour, c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, en reconnaissance quelque part en France. Mais je vais vous parler maintenant de Belgique et de son fameux mur de nuit, chemin des chapelles, chemin de pèlerinage, chemin de légende du cyclisme. Arrivé de la Flèche Wallonne depuis 1985 avec cette année-là, la victoire de Tony Criquet-Lyon, dont un des virages les plus relevés en montant précisément vers le mur, porte aujourd'hui le nom Flèche Wallonne masculine, Flèche Wallonne féminine. Si vous voulez vous balader, être sur le chemin des champions, eh bien partez de la Grand Place, allez jusqu'au mur et revenez, il y en a pour 3 km environ. Arrêtez-vous à la demi-douzaine de chapelles et rêvez aux exploits des champions, des plus grands qui ont triomphé dans la Flèche Wallonne, dont lui et son mur sont l'incontournable ligne d'arrivée.